Nous venons de clore la seconde édition du Future of Customer Relationship organisé avec Bluelink, l'expert de la relation client. Nous avons assisté à une dizaine de conférences portant sur les nouvelles technologies. Alors on a parlé de la blockchain, des crypto-monnaies, évidemment du RGPD, mais aussi des algorithmes, de l'intelligence artificielle, afin de voir quels seront les impacts de ces technologies sur la relation client. L'enjeu n'est plus de fidéliser, mais c'est de voir son propre client recommander sa société. Bah, Bluelink est partenaire du FCR parce que parler du futur, c'est toujours intéressant. Ça peut être soit angoissant, mais nous, on trouve que le futur, ça se construit ensemble. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire en organisant avec vous et en participant avec vous à ce futur off. Alors aujourd'hui, on est venu au FCR parce qu'on est complètement conscient que le tourisme est en train de vivre une évolution majeure, que les nouvelles technologies, les nouveaux canaux de communication permettent maintenant d'interagir d'une manière complètement nouvelle avec les clients et qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir des interlocuteurs qui sont amenés à venir à partager, à échanger sur ces nouvelles technologies, sur ces nouveaux moyens d'interagir et du coup d'améliorer, d'évoluer vers une nouvelle forme de relation avec les clients. Cette année, j'ai pu en fait aborder et appréhender des sujets qui étaient assez complexes. Par la qualité d'expertise des intervenants, je suis très satisfaite de ce que j'ai appris aujourd'hui. Je suis venue donc aujourd'hui au salon parce que je m'intéresse vraiment à tout ce qui est domaine de la relation client, l'expérience client, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et voilà, il y a encore plein d'enjeux à découvrir, c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la remise en relation entre la réalité actuelle et ce qu'on en perçoit, donc un côté très très positif vis-à-vis du futur de l'homme et de la position quand même assez privilégiée que nous avons aujourd'hui en 2018.